comme tu es beau! Mais vous, vous êtes toute flaganta aujourd'hui. Coucou, Robitoc! Robitoc, ça va? Oh, coussi, coussa, mon mûrier est magnifique, mais les autres plantes ont vraiment mauvaise mine. C'est vrai qu'il est beau, mais pour les autres, il faut peut-être un peu d'engrais. Tu as raison, Adélia. Oh, heureusement que tu es là. De l'engrais? C'est quoi? Eh bien, c'est un mélange d'éléments qui fortifie les plantes. Un peu comme toi quand tu bois du jus d'orange. Les vitamines t'aident à grandir. Ah bon? Et pour les plantes, c'est quoi? Regarde. Oh, c'est étrange. Mon écran ne s'allume pas. Encore un boulon qui est resté coincé. Ah! Enfin! L'engrais peut être, par exemple, du crottin de cheval. Oh, peur! Ou du purin d'ortie. Oh non, pas d'ortie, ça pique! Il nous reste les cendres d'un volcan. Il faut que l'on voit ça! Allez, on y va! Tu peux t'éteindre maintenant. Mais non, Boussy, je préfère que tu restes ici pour t'occuper des plantes en notre absence. Tu as bien fait, Robitoc. Boussy s'occupera très bien de tes plantes. J'espère que tu as raison. Voici les volcans. Regardez comme c'est impressionnant. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet écran encore? Robitoc, ça va ta tête? Oui, voilà, ça va beaucoup mieux. Tu es en train de rater un sacré spectacle. Oh là là, mais qu'est-ce que ça vibre? Ce volcan est drôlement puissant. Au moins ici, je suis sûre de trouver toutes les cendres dont j'ai besoin pour mes plantes. Et qu'est-ce qu'elles ont de si spécial, ces cendres? Sortons pour voir cela de plus près. On dirait que les plantes se portent bien ici. Eh bien oui, c'est grâce aux cendres qui viennent de ce volcan. Tiens, mon écran fonctionne maintenant. À chaque éruption, les cendres qui sont riches en minéraux tombent sur le sol. On y trouve du soufre, du magnésium, du potassium, du phosphore et même du fer. Tout ça dans les cendres? Eh oui, mais le fer on en trouve aussi dans les épinards, le magnésium dans le chocolat, le potassium dans les bananes ou le phosphore dans le poisson. Mais en très petite quantité. Et ça fait grandir. Oui, et ils sont tous nécessaires à la vie humaine, animale et végétale. On va aller voir ça d'encore plus près. Allons dans une des cendres de ce volcan. Macro, miniaturisation! Ça y est, nous sommes dans la cendre. Oh, attention, c'est du fer. Youhou! Et là, c'était quoi? Du magnésium. Wow, olé! Là, du potassium. Robitoc, il y en a trop. C'est dur de les éviter. Allons plus haut. Oh, mais ici, il y en a presque autant. Mais je ne contrôle plus le vaisseau. Mais que se passe-t-il? On dirait qu'on tombe. Oh, je crois que nous venons de nous poser sur le sol. Regardez, les minéraux s'enfoncent dans la terre. Oui, elle en a besoin pour nourrir les plantes. Cela leur donne cette belle couleur verte. On s'enfonce, la terre nous absorbe comme les minéraux. Il faut absolument sortir d'ici. Macro miniaturisation. Wow, on a eu chaud. Regardez, le volcan crache de la cendre. Profitons-en pour faire le plein d'engrais. Je connais de belles petites plantes qui vont adorer. D'ailleurs, elles commencent à me manquer, alors rentrons. Dis plutôt que c'est Boussy qui t'inquiète. Retour sur Célesta. Alors,
Tu as bien surveillé le mûrier, Bouzy? Tu as mangé toutes les mûres. Voyons, Robitox, ce n'est pas si grave. Tu n'as pas pu résister, hein? Bouzy, tu ne vas pas nous faire croire que c'est la coccinelle qui a tout mangé. Tu as de la chance. Avec la cendre que nous avons rapportée, le mûrier va donner deux fois plus de fruits. Alors, vous avez compris à quoi servent les cendres d'un volcan? C'est un engrais naturel plein de minéraux utiles pour les plantes. C'est comme les vitamines du jus d'orange qui nous aident à grandir. Et grâce aux cendres volcaniques, nous allons pouvoir manger deux fois plus de mûres. Au revoir.